Congo. Tangwe komito kindi. Tele ma Congo, zot ma kaslo kola. Yo, ngai, yo nangai. Come on, Talelo. Yo nangai. Come on, Talelo. Kode na chichwe, kode ayama. On est dans ce bassin du Congo, hein, donc le Moyen Congo et le Congo belge, qui sont deux territoires extrêmement riches, qui sont deux territoires avec une histoire, je pense aussi politique, culturelle et spirituelle ancienne, mais dans laquelle le colonialisme français et belge va être particulièrement violent. Très vite, ce qu'il faut sécuriser, c'est les routes commerciales. Eh bien, au milieu de la route, il y a Mabila Maganga qui va résister et qui, au début des années 1890, va s'insurger et le meurtre d'un commerçant européen va provoquer une réaction de répression coloniale. Mais il y a un lit, bah moi tout que dit à Babamba, ni mende le ver, ni mende le bongo bouna pour le manquer, mais Babamba, il y a un zolo qui va y avoir. Les sages intelligents, c'est eux qui sont. Qui sortent des universités de la forêt. Parce que dans les universités de la forêt, on apprend à lire d'abord la nature. Cette résistance contre leur colonialisme ne s'est jamais éteinte. Et vous l'entendrez comme ça là, à travers des noms comme Boitam Bongo, Mabiyal Manganga, Chimokim Bangou, Matou André, ils apparaissent comme ça. Mais tu es venu faire la politique. On t'a affecté, j'ai dit, c'est mon devoir, c'est mon droit. À l'époque, j'ai dit 51. Chaque fois qu'il y a une revendication, chaque fois qu'il y a une manifestation des gens qui veulent se sentir eux-mêmes patriotes et tout ça, pour étouffer cela, on dit communiste. Et en fait, qu'est-ce qu'on avait de communiste?